Bonsoir à tout le monde, deuxième live de la saison 2021-2022 du foot amateur sur Footnet. Après Pascal Bérangiam, l'entraîneur de Solières et l'attaquant de Meaux, Gilles Kinif, voici 15 jours, deux autres invités, acteurs aussi de la D2 ACFF ce soir pour cette nouvelle formule plus courte et plus rythmée. On est bien calé dans son fauteuil, c'est parti, on fait connaissance avec nos deux invités, jingle. Allez, on commence par une petite présentation et je vais d'abord dire bonsoir à mes deux invités. À la gauche, c'est bien moi, maintenant ça bouge. J'ai donc avec nous ce soir Gabor Bucrane, l'entraîneur de Couvin Marienbourg, et Arnaud Biatour, l'attaquant joker de Warnant. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Voilà, c'est un beau bonsoir, cela. Allez, on commence avec Arnaud Biatour. Petite présentation. Arnaud Biatour, je l'ai dit, le centre avant droitier, c'est plutôt un droitier, je crois. Il nous le dira tout à l'heure. 9,5, comme on dit en foot, de Warnant, donc étonnante équipe, hein, qui est dans le haut du classement en D2 ACFF. Arnaud, dans la vie de tous les jours, c'est un certificateur. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, PEB, hein, tout ce qui est lié à l'immobilier, à l'isolation, la chauffagerie, tout ça, ça le connaît. Mais il n'est pas là ce soir pour parler de ça. Il aura 32 ans dans 2 mois. C'est un joueur de foot qui a été formé à Izier, dans la province de Luxembourg. Ben, je pense que ce n'est pas tellement loin de Durbuy. Il a fait une carrière jusqu'ici dans des clubs qu'on retrouve en série nationale toujours aujourd'hui. Il est passé par Opagne, il est passé par Warnant, EY, Sprimont, Durbuy, Stoke, mais aussi les divisions 2 de Visé et Tirlemont, sans oublier aussi quelques mois par la D1, et oui, de la D1 de Mons, où il a joué des bouts de matchs là-bas à Mons. Entre-temps, il a soigné une pubalgie, il n'a pas eu de chance non plus avec son genou gauche, puisqu'il a été opéré 2 fois des croisés à ce même genou. Donc les médecins et les kinés, il ne faut pas trop lui en parler, même si tous ces médecins et kinés ont été très sympas avec lui, mais il en a trop vu. Tout ça s'est passé, je pense, la pubalgie et les croisés après les aventures à Sprimont et Durbuy. Il a cru un moment mettre le foot vraiment entre parenthèses, et puis il s'est relancé à Stoke, et là à Stoke, il y a eu le Covid, hein, il a joué 4 matchs. Et il est arrivé cette saison à Warnant. J'ai pas dit de bêtises, Arnaud, c'est à peu près ça. C'est très bien résumé. Exactement. Voilà. Ça. Voilà, Arnaud, aujourd'hui, je vous présente comme un attaquant joker. Ça vous embête qu'on vous appelle un joker? Non, pas du tout. C'est le cas pour le moment. Donc, voilà, je rentre souvent en fin de match. Donc, j'essaie de remplir ce rôle-là et j'essaie d'aider l'équipe, même si c'est. 5, 10, 15, 30 minutes. Donc, pour le moment, c'est très bien comme ça. Oui, pour le moment, vous avez, sur 11 matchs, je pense que vous avez été titulaire quoi, au départ, une fois, deux fois Titulaire une seule fois. Une seule fois, ouais. C'était contre Warren. Ah, j'ai eu une petite coupure là. Contre Warren. Ah, contre Warren, voilà. Alors, quelque part, on pourrait toujours se dire, tiens, bah, quand on est sur le banc, on peste un peu. Est-ce que dans votre tête, vous vous dites, moi, j'attends le bon moment pour être en pleine forme et à un moment donné, l'entraîneur ne pourra que me faire débuter les matchs ou bien ça n'a pas trop d'importance pour vous. L'essentiel, c'est de rejouer au foot et d'être dans un club où il y a une super ambiance et des résultats. Oui, voilà, je pense que pour moi, l'essentiel, c'est surtout de goûter à cet environnement-là, quoi. Goûter au vestiaire, goûter au match, au déplacement, etc. Et puis après, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre. Pour le moment, le groupe tourne bien, donc je me contente de quelques minutes que je joue, et voilà, j'essaie de faire le max pour l'équipe. Et voilà, si je joue 90, je joue 90, et si je joue 3 minutes, ben voilà, j'essaie de faire la différence pendant ces 3 minutes-là. Donc pour le moment, ça se passe bien, on prend des points, donc il n'y a pas de raison d'être en colère. Oui, et sur 11 matchs, ça ne marche pas si mal que ça. Hein. Pas mal d'assists, 2 buts inscrits. Ça veut dire que le coach sait que même en vous faisant jouer une demi-heure, bah, il est sûr d'avoir un joker, pas un simple joker, mais un joker performant, quoi, qui a de la fraîcheur et qui va pouvoir tout donner, quoi.
Ouais, c'est sûr, ouais, c'est clair que j'essaie de faire le max en le peu de temps que j'ai, j'essaie de faire la différence. Donc pour le moment, ça marche bien. On a quand même pris pas mal de points dans le dernier quart d'heure, dans les dernières 10 minutes. Donc voilà, la différence est aussi souvent du banc, quoi. Donc je continue à travailler la semaine et puis voilà, j'essaie de faire le max quand je peux le faire. Allez, on approfondira votre expérience à Warnant d'ici quelques instants. Le temps pour moi de représenter, parce qu'on l'a déjà vu quelques fois dans nos émissions, l'entraîneur de Couvin, Marienbourg, Gabor Bukran. Il aura 46 ans dans une semaine. Arnaud, lui, il est encore un peu plus jeune, hein, puisqu'il aura 32 ans au mois de décembre, je pense, hein. Donc, voilà, des anniversaires à fêter dans peu de temps. Gabor, pour revenir à vous, vous êtes support clientèle dans une société de gammagraphie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la gammagraphie, je les invite à aller voir au dictionnaire parce que on va pas détailler tout ça, c'est assez complexe. On va rester dans le sport, dans le foot aujourd'hui. Vous avez été 15 ans joueur professionnel, Gabi, en Belgique, en Espagne, en Angleterre. Probablement, est-ce que vous étiez professionnel aussi en Hongrie, Gabor? Non, non, Pas non. eu de contrat pro Là, en Hongrie. c'était. Non, non, Ok? je suis parti jeune et je n'ai pas eu de contrat pro, non, non, non. D'accord. Alors, bon, on va pas citer tous les clubs, hein, ceux qui vous, allez, les habitués savent que vous êtes passé notamment par le Sporting de Charleroi, c'est le club le plus connu. Mais bon, il y a eu aussi Cordoba en Espagne, Walsall et d'autres en Angleterre. Et puis, comme joueur amateur, vous êtes passé par Épinay, par Wallin et dans la province de Namur, trois clubs essentiellement, hein, Namur, Couvin-Marienbourg et Ohé. Et puis, c'est surtout votre première année de coaching en division 2 à CFF, première année de coaching tout court avec cette expérience à Couvin-Marienbourg. On peut même se demander pourquoi c'est pas venu plus tôt, puisque vous avez le diplôme UEFA depuis 4-5 ans même. Ben justement, on va vous poser la question, pourquoi ne pas vous être lancé dans le coaching plus tôt, Gabor? Ouais, tout simplement parce que j'avais pas eu l'opportunité que je considérais que c'était la bonne. J'ai eu quelques petites touches avec certains clubs, mais pas ce que je préférais, parce que je voulais faire. Et j'ai pas non plus trop cherché, j'ai pas forcé pour vraiment commencer, entre guillemets, une petite carrière de coach. Et ici, c'est tombé un peu comme ça. Par hasard, la saison passée, juste avant le Covid, qu'Olivier Defresne a quitté Couvin-Marienbourg juste 10 jours avant la reprise du championnat. Et comme j'ai eu cette possibilité-là, la confiance du président et de la direction, ben, c'était le bon moment. Voilà, et ça nous permet de faire un petit signe à tous, à la famille et même à Olivier, s'il nous suit, Olivier Defresne, l'actuel entraîneur de Namur, qui est frappé par la Covid, hein, et qui était même sous oxygène ces derniers temps. On espère qu'il va vite se rétablir, comme Raphaël Micheli aussi. Hein, vous pensiez le croiser hier, Gabor, lors de votre match Ouais. à Amoire, et il n'était pas là. On vous a dit aussi que ça faisait 2 semaines là qu'il se battait contre ce Ouais. fichu virus. Donc ben voilà, s'ils nous suivent, eh bien on les salue et on leur souhaite un prompt rétablissement. Dernière question avant d'entrer dans le vif du sujet. Gabor, depuis hier, votre club, Couvin-Marienbourg, n'est plus sur un siège éjectable. Je crois que maintenant vous êtes 13e. Vous vous attendiez à un premier tiers de championnat aussi compliqué là chez les Fagnards? Oui, bien sûr, on s'y attendait, on savait que ça allait être compliqué. Et ben, voilà, Couvin n'est pas un club qui de tableau en division 2 à CFF. Maintenant, c'est vrai que c'est délicat parce que le 8 points que nous avons, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Mais il nous reste un peu de temps, enfin, oui, beaucoup de temps même, je dirais, parce qu'il reste 19 matchs, donc. J'espère qu'on va pouvoir s'éloigner de cette zone dangereuse et d'être un petit peu plus tranquille. Ouais, et qu'il n'est dangereuse cette 13e place que si il y avait deux descendants francophones de National 1. Pour le moment, il y a la Louvière-Centre. Hein. Si on s'arrêtait aujourd'hui, viser est un peu plus haut. Va pas très bien, mais on peut pas imaginer que viser va se battre pour rester en National 1. Donc, cette 13e place, c'est déjà pas mal. Mais pour être vraiment à l'aise, il faudrait être 12e. Et 12e, c'est Jette qui n'est pas trop loin, hein, Gabor.
Non, bien sûr. Et puis surtout, vu notre première tiers de championnat, parce qu'au niveau de points, c'est insuffisant. Mais je dirais de 11 matchs que nous avons joués, il y en a trois vraiment où j'étais vraiment pas content souvent. Donc, je Dont suis confiant pour la celui, suite. oui, Gabor, dont celui peut-être contre Warnant et cet homme-là qui est à côté de vous aujourd'hui, qui est avec nous, Arnaud Biatour, qui vous a joué un mauvais tour. Ça rime même. Arnaud, rappelez-nous un peu cette phase. On était dans les arrêts de jeu. Vous voyez encore comment ça s'est passé? Oui, bien sûr, ouais, je venais de rentrer il y a quoi, il y a 10 minutes. Et on jouait à la 92e, 91e. Et un ballon qui traîne dans le rectangle, et j'ai la chance d'arriver avant le gardien, je le dribble et je finis dans le but vide. Donc, ouais, bon souvenir pour moi. Ouais, et les 3 points pour Warnant. Les 3 points, Gabor, vous surtout, vous ouais. souvenez. Ouais, c'était 1-2. Donc, Gabor, vous vous souvenez de ce match? Couvin-Marienbourg ne méritait pas de perdre contre Warnant? Ah, nous avons perdu Gabor, le temps qu'il se reconnecte. On va demander à Arnaud ce qu'il pense de ce match-là. C'était un match, une victoire un peu tirée par les cheveux, ou bien vous pensez que là, vous méritiez quand même aussi les 3 points à Couvin-Marienbourg? Bah, voilà, on va dire que sur la deuxième mi-temps, un match nul aurait été logique. Après, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et, pour le même prix, ils font le 2-1. On a la chance, nous, de faire le 1-2. Donc, voilà, on s'en sort bien sur ce coup-là. Mais parfois, voilà, ça se joue à détail. Et si eux l'avaient emporté, voilà, personne n'aurait crié au scandale non plus, quoi. Donc, je Allez, pense que voilà, le match nul était logique, logique. mais voilà, on a eu la chance de mettre ce but-là, quoi. D'accord. On va attendre. Je suis un peu désemparé là parce que notre copain a disparu là. Ah, ben voilà, il revient, Gabor. Donc, ça va me permettre encore de vous poser une petite question le temps que Gabor. Ah, ben non, voilà, il est réinstallé. On va demander s'il nous entend. Gabor, vous êtes toujours là? Vous êtes revenu avec nous? Il n'y a que le son qui Oui, manque là pour le moment. Je suppose que d'ici ben, quelques je vous entends instants. Ah ben voilà, Gabor, vous très nous mal. entendez? Si Ah ben, c'est chez nous on moi vous ou entend bien, donc. Oui, voilà. Là, vous nous entendez? Bon, on va laisser oui, je vous entends assez le son saccadé, mais je s'installer. vous entends. Ah, bon, d'accord. Gabor, je parlais justement avec Arnaud de ce match Couvin-Marienbourg contre Warnant. Vous l'avez encore au travers de la gorge, cette défaite, vous ne méritiez pas cela, selon vous? Selon moi, mais en tous les cas, ce match ne fait pas partie de deux ou trois rencontres où j'évoquais justement avant où j'étais vraiment pas content de notre prestation. Je pense que contre Warnant, ça a été pas mal de tout, même si en première mi-temps, on était un peu timide, on va dire, en jouant chez nous. Et à la mi-temps, c'était 0-1. Et puis en deuxième mi-temps, je pense que c'était beaucoup mieux. On a aussi changé de dispositif, on a joué avec deux attaquants. On a égalisé et puis on était très proche de 2-1. Enfin, c'était assez ouvert. Malheureusement, c'est tombé, la pièce est tombée de mauvais côté, mais c'est pas immérité non plus parce que Warnant a fait un très bon match. Et voilà, c'est un peu le contre Warnant. C'était que le deuxième match, mais ensuite, j'ai constaté dans les matchs suivants que notre manque de maturité. Ça nous pénalise beaucoup. On en a perdu, voilà, ce match-là, par exemple contre Warnant. On en a eu contre Beck aussi, contre Verlaine. Si on était un peu plus, si on avait un peu plus de vécu et si on gérait un petit peu mieux nos matchs, ben, on aura les 3, 4, 5 points en plus qui nous permettraient d'être plus tranquilles ou Voilà, on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le vrai ou faux. Je vais vous donner une petite affirmation et vous allez simplement me dire vrai ou faux et on reviendra sur une seule des affirmations après. Mais avant ça, on va quand même lancer un petit jingle. Oh.
On va commencer avec Arnaud. Arnaud, simplement, vous répondez par vrai ou faux et on développera une seule des réponses juste après. J'aurais pu rejoindre Amoire plutôt que Warnant cet été. Je suis rarement dans le 11 de départ, je joue peu, mais tant que l'équipe reste dans le haut du classement, qu'elle gagne souvent et que j'entre pour une bonne partie du match, moi je suis content de mon sort. C'est vrai aussi. Sprimont restera le club où j'ai été le plus performant. C'est vrai. Warnant n'a aucune raison de jouer le tour final, il n'aura pas la licence. C'est vrai aussi. Je veux passer comme premier choix devant William Mauclet et Audie Skevenels d'ici 2 à 3 mois. C'est vrai. Voilà, les cinq sont passés. On va revenir sur une des cinq phrases. Je ne sais pas laquelle vous interpelle le plus par rapport aux autres attaquants, par rapport à votre grosse saison performante à Sprimont, parce que vous avez été performant aussi ailleurs, je pense notamment à Tirlemont. Oui, mais c'est vrai que là, Sprimont, voilà, j'ai passé 3 saisons, mais surtout 2 très bonnes saisons, avec la montée hors division amateur. Et oui, ça restera un bon souvenir, surtout ma première saison, j'avais quand même mis une bonne 20aine de buts. Donc voilà, vraiment une bonne saison au niveau sportif, niveau humain aussi. Donc je regarde de bons souvenirs, même si au final ça s'est un peu moins bien terminé à cause de blessures, mais sinon, très bon souvenir. Voilà. Alors, vous voyez les premières interactions. Donc, Bernard Alessandro dit Bernardo, dit Bia, le meilleur numéro 9 de la décennie. Ben oui, c'est dommage, hein, toutes ces blessures, parce qu'on ne sait pas jusqu'où vous seriez allé. Évidemment, quand ceux qui ont été opérés 2 fois des croisés et qui ont souffert d'une pubalgie, ben, j'imagine qu'ils se rendent encore mieux compte de ce que c'est. Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui continuent à jouer, je pense, surtout. Voilà, et ceci dit, vous, quelque part, quand Stoké est venu vous proposer justement de rejouer au foot, vous vous êtes dit, allez, dernier pari? Oui, je me suis dit pourquoi pas réessayer. Voilà, j'avais envie de retoucher du ballon. Donc, ça faisait quoi, 1 an et demi que je ne jouais plus. Donc, voilà, quand j'ai parlé avec Kazé, bah, voilà, il m'a donné un petit peu l'envie de reprendre et de goûter un petit peu à tout ça. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas réessayer. Et voilà, malheureusement, on a été coupé après 4-5 matchs. Donc voilà, c'était un petit peu avorté assez tôt, mais je suis quand même content d'avoir repris. Donc le meilleur Arnaud Biatour, c'est à peu près 20 buts, 20 buts sur une saison. Là, à Sprimont, vous y êtes parvenu, à Tirlemont aussi. À Tirlemont, je tournais autour de 10-11 buts par saison, mais voilà, c'était mes débuts, je vais dire, en division 2, donc j'étais quand même encore assez jeune, donc déjà 10aine de buts, c'était pas mal en venant de promotion à l'époque. Il y a moyen d'arriver à 10 buts cette saison. Allez, après le mois de janvier, on compte sur vous comme titulaire et justement dépasser William Mauclet et Audrey Skevenels, commencer les matchs à leur place. Et vous fixez cet objectif-là ou bien quel est l'objectif? Je terminerai par cette question-là pour vous. Je veux dire, 10 buts, c'est accessible, hein, même sur un deuxième tour. Il y a des équipes qui vont être démobilisées. Il y a des matchs où, par exemple, ce week-end, on gagne 5-0. Ben, c'est des matchs où tu peux mettre 2-3 buts. Donc, voilà, arriver à 10 buts, c'est jouable. Maintenant, voilà, il faut le temps de jouer avec. Et, voilà, comme objectif personnel, j'en ai pas vraiment. Hein. Voilà, je veux dire, passer une saison la plus tranquille possible, prendre du temps de jeu, et voilà, retrouver la forme. Et le reste, Ouais. ça suivra tout seul. Mais j'ai pas vraiment d'objectif chiffré pour cette année. Mais l'objectif, ça peut quand même, j'insiste vraiment, hein, mais ça peut quand même être titulaire à un moment donné. Je veux dire Oui, très c'est ça. Après, régulièrement. si je retrouve vraiment mes sensations et que je sens que je peux tenir 90 minutes, parce que ça aussi, il faut pouvoir le faire. Donc voilà, si je me sens en forme, je pense que le coach le sentira aussi et va commencer les matchs. Il vous reste une petite appréhension en tête par rapport à ces blessures anciennes. Vous m'avez parlé d'un petit déséquilibre par moment. C'est plus mental qu'autre chose, ou bien réellement, vous sentez que physiquement, c'est plus le meilleur Arnaud Biatou? Des appréhensions, oui, j'en ai quand même. Maintenant, c'est clair que j'ai toujours un petit peu mal à gauche, à droite, quoi. Donc, je pense que quand on est passé par 3 opérations comme ça en peu de temps, bah, je pense qu'à un moment donné, on a forcé à gauche, puis à droite, et puis finalement, on se retrouve un petit peu
à lutter contre les blessures, quoi. Donc, c'est clair que voilà, je n'aurais plus ma forme il y a 10 ans, mais voilà, j'essaie de compenser par autre chose aussi. Et voilà, j'essaie de passer les semaines et de pouvoir être performant le week-end. Pour le moment, ça se passe bien. En tout cas, il vaut mieux être joker de luxe en D2 que peut-être terminer à l'arrache dans les petites provinciales, même si vous ne reniez pas évidemment ce passé parisien. Oui, non, c'est clair, c'est de là d'où je viens, donc je ne serais pas le renier, mais voilà, comme on en discutait, je veux dire, au niveau des contraintes, voilà, autant jouer en division 2 amateur que de jouer en P1, P2. Voilà, ici, nous, on s'entraîne deux fois, on a un match, donc, voilà, on va 3 fois au foot sur la semaine, c'est quand même pas énorme, mais au moins, voilà, ce niveau aussi nous permet de jouer contre des équipes voilà, qui jouent bien au foot, on joue quand même souvent sur des beaux terrains, donc. Voilà, c'est quand même plus agréable de venir jouer en division 2 amateur que d'aller jouer dans le village d'à côté où voilà, on va jouer souvent dans la boue et ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même plus intéressant de jouer plus haut tant qu'on peut le faire, quoi. Allez, on vous laisse souffler. Gabor, à nous deux, vrai ou faux? 1. Je voulais débuter mon métier d'entraîneur là où j'avais joué. Faux. J'ambitionne le monde pro comme coach ou même T2 adjoint dans les prochaines années. Vrai. Je suis un coach qui doit porter son équipe vers le résultat. C'est pour cela, hein, qu'on m'entend beaucoup au bord du terrain et que je suis rarement assis finalement pendant 90 ou même plus minutes. Bah, je ne sais pas si je dois porter mon équipe pour les résultats, mais en tous les cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, bah, je vais dire vrai. J'ai succédé à Olivier Defresne comme coach à Couvain. Je veux bien encore lui succéder comme coach à Namur. Faux. J'ai construit mon noyau à Couvain-Mariembourg trop tard pour ne pas être concerné par le maintien aujourd'hui. Faux. Voilà, Gabor, vous avez envie de revenir sur quel vrai ou quel faux? Ah ben évidemment, sur la question de Namur, hein, en étant Namur. Oui. Bien sûr, c'est sur cette Donc, question-là. vous n'avez pas envie de revenir à Namur? C'est parce que, comme on disait, j'ai des ambitions personnelles et j'ai des objectifs. Après, on sait jamais comment ça va aller. Donc, il ne faut pas prendre ça comme prétention, pas du tout. C'est la simple raison, c'est parce que Namur est en division 3. Donc, actuellement, je suis coach en division 2. Ben, je souhaiterais continuer au moins à ce niveau-là ou progresser. Voilà. Maintenant, si Olivier amène Namur en D1B, là, je veux bien. Ben voilà. Et on termine justement sur ce noyau qui a été construit, je ne vais pas dire trop tard, mais tard quand même. Maintenant, allez, supposons que vous signez à Couvain, vous allez déjà construire votre équipe. Si on vous donne cette opportunité-là à partir de janvier-février, là au moins vous pourrez vraiment encore mieux cibler les renforts. Mais je vais dire c'est que les joueurs qui sont là aujourd'hui, qui font partie de l'effectif, ben, surtout les nouveaux, bien sûr, j'avais mon accord et je suis très content qu'ils sont là. Après, c'est vrai que nous avons eu des discussions avec d'autres garçons que je considérais qu'ils pouvaient nous apporter un petit plus, voire beaucoup même, et que finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, on parle ici 3, 4, voire 5 joueurs pour plusieurs raisons. Aussi, une des raisons, et souvent, ça revient souvent, c'est que géographiquement, on est assez mal situé. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et probablement, un peu comme tout le monde, au mois de janvier, au mois de février, on va commencer à préparer la saison prochaine. J'espère que, comme je disais, on va se éloigner de cette zone dangereuse, mais je pense que vu les autres équipes et vu les résultats et vu comment le championnat se déroule, je pense qu'on va être concerné jusqu'au bout par les résultats. Donc voilà, ça va pas être facile, ça va être compliqué, mais on va essayer de faire correctement.
Poursuit cette analyse avec vous deux, donc Arnaud Biatour, l'attaquant de Warnant, et Gabor Bukran, l'entraîneur de Couvin-Marie en Bourges. J'en profite pour dire à tous ceux qui nous regardent, bah, c'est peut-être le moment de poser une question soit à Gabor, soit à Arnaud. Je vois peut-être une question ici, on va peut-être la prendre. Voilà. Une question pour Gabor de Kill Moon. Qui sont les joueurs clés de Couvin d'après le coach Gabor? Nos joueurs clés, c'est les joueurs qui font partie des ben, plus ou moins clubs à Couvin, hein, enfin, qui sont là depuis un certain temps, qui ont un peu de vécu et qui jouent là depuis quelques saisons, comme Vincent Eugène, comme Simon Van den Berg, comme Thibaut Allard. C'est certainement des garçons qui sont très très importants pour notre équipe. Oui, n'oubliez pas Valentin Lamort et d'autres encore, hein. Bien sûr, Valentin Lamort, oui, parce qu'il est nouveau, donc il vient de revenir au club, c'est pour ça, voilà. Mais certainement, oui, avec son expérience aussi, bien sûr. Allez, on continue. Donc les internautes, hein, s'ils veulent poser des questions tout au long de la mission, on intervient de temps en temps. On regarde s'il y a quelques bonnes questions et on les pose évidemment à nos invités. Alors, il y a des questions que tout le monde se pose. Eh bien, on va les poser à nos deux invités. Un petit jingle et puis on revient. Bon, je vais passer de l'un à l'autre et je vais commencer avec Arnaud. Arnaud, pourquoi Warnant a-t-il été battu face aux voisins de Warem le 26 septembre dernier, 0-2? Votre analyse? Voilà, on va dire que c'est peut-être le match où on est tous passés à côté. Donc, autant dans le jeu que dans la mentalité, que dans les duels, voilà. Off day total de la part de tout le monde. Et Warren en a profité. Voilà, c'était leur première victoire en plus, je pense. Donc, nous, on est vraiment tous passés à côté. Donc c'est surtout à cause de vous et pas parce que Warem était très fort ce jour-là. Ah, si, ils ont saisi leur chance aussi, mais voilà, nous, par rapport à ce qu'on a montré, par rapport à ce qu'on avait déjà montré à ce moment-là, on était en dedans. Gabor, pourquoi Oui. Couvin n'a gagné que deux matchs jusqu'ici? Parce qu'on fait trop de bêtises, trop de bêtises individuelles par cette manque d'expérience, manque de maturité. Je pense qu'on pouvait, on n'aurait pas gagné 10 matchs sur les 11, mais on pouvait avoir peut-être 2-3 victoires en plus, certainement. Arnaud, pourquoi ma carrière en division 1 s'est limitée à une demi-saison, celle passée à Mons? Ça, c'est une très bonne question. Votre avis? Voilà, je pense pas avoir reçu beaucoup de chance de jouer à ce moment-là. Voilà, j'ai peut-être fait le choix de partir plus bas pour rejouer. J'aurais peut-être dû rester un petit peu plus longtemps et être un peu plus patient. Maintenant, voilà. C'est difficile à dire comme ça, mais voilà. Pas de Honnêtement, regret? non, pas du tout. Non, moi, voilà, j'ai essayé. Je viens d'un tout petit club de provincial. Donc, déjà me retrouver là, c'était très très bien. Voilà, moi, j'ai essayé. Et voilà, ça n'a pas été, mais j'ai tout tenté. Et l'image qui vous reste, s'il n'y en avait qu'une seule, là maintenant je vous parle de D1, de Mons, il y a un instant, une image que vous gardez de la division 1, d'un match en particulier, d'un moment, ce serait quoi? De moment, non, mais voilà, c'est le fait de toucher à tout ça, quoi. Moi, voilà, à 16 ans, j'étais abonné au Standard, j'allais voir les matchs du Standard, et pour moi, ça me paraissait complètement inaccessible. Et là, de me retrouver là-bas, en train de m'échauffer dans le stade, d'aller à Anderlecht, ou des choses comme ça, je me suis dit, vraiment, voilà, c'est un rêve, entre guillemets, qui se réalise, et j'ai touché un petit peu au but, même si ça n'a pas duré des années, mais voilà, j'ai quand même le mérite d'avoir été jusque-là, c'est quand même assez bien. Allez, absolument, c'est pas donné à tout le monde et on sent que vous avez encore un petit peu des frissons de cette époque-là. Gabor, pourquoi Diego Zida, qui est quand même un de vos joueurs cadres aussi, il est arrivé cette année, il a déjà un beau petit passé à droite et à gauche, n'a pas encore vraiment éclaté cette saison, il n'était d'ailleurs même pas dans votre sélection ce week-end.
Et Diego, on était content avec lui. On était très content d'ailleurs qu'il arrive chez nous. Et puis, on était content par ses prestations au début. Il a fait des bons matchs. Maintenant, il était un petit peu en dehors depuis quelques semaines, je considère depuis 2, 3, 4 matchs, ses prestations n'étaient pas extraordinaires. Et voilà, on attend plus de lui. Maintenant, le pourquoi, je peux pas dire qu'on n'est pas content, mais en tous les cas, les 11 matchs, il pourrait faire mieux. Je pense qu'il peut faire mieux. Et comme la question que vous me posez, pourquoi il n'a pas explosé, mais moi, j'attends pas de lui qu'il nous gagne de match tout seul. Donc, il doit pas exploser. Il doit pas faire 25 assists et marquer 30 buts. C'est pas ce que j'attends de lui. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve que il est un petit peu moins bien. Il peut faire beaucoup mieux. Arnaud, pourquoi j'ai rejoint Warnant alors que j'avais à peine retrouvé le plaisir de jouer à Stoke? Okay, voilà, je me suis retrouvé avec un groupe d'anciens, on va dire, plutôt de ma génération. Et ce groupe-là, justement, arrivait un petit peu en fin de cycle. Et malheureusement, ils ont tous quitté le club. Donc, je me retrouvais un petit peu comme seul trentenaire, on va dire, du groupe. Et voilà, à mon âge, j'ai envie de passer encore deux, trois bonnes saisons à m'amuser. Donc, voilà, je ne me voyais pas dans le rôle du gars qui encadre une équipe de jeunes. Donc voilà, je me suis tourné vers un club où je connaissais quelques joueurs déjà, où je connaissais le coach aussi. Donc je savais que l'environnement allait être idéal pour moi. Voilà, petite parenthèse peut-être puisqu'on a quelques questions pour nos invités. On va peut-être prendre celle de Antoine Madège que Gabi connaît fort bien. Voilà, la question va apparaître tout de suite sur l'écran. Gabi, une place comme T1 à Angers, club que nous avons connu, serait-il une bonne opportunité pour toi? Pareil que à Namur, j'ai envie de dire, c'est Angers fait partie des clubs que j'ai connus à l'échelon amateur. C'est pareil que Couvin ou Namur, où j'ai eu beaucoup de chance de tomber dans des clubs comme ça. Et j'ai envie de dire pareil que Namur, c'est parce que c'est la division 3 actuellement, et je leur souhaite de revenir au plus vite en division 2. Et ouais, pourquoi pas, mais encore une fois, sans être prétentieux, c'est pas pour le moment parce que ils sont un échelon en dessous, pardon, et que voilà, c'est pas mes objectifs, c'est pas mes ambitions de, entre guillemets, de reculer. D'abord, pourquoi la discipline est si importante à vos yeux? Pourquoi? On Je sait que pense que vous n'avez pas hésité à mettre plusieurs cadres à l'écart, hein, peu importe le nom, ça n'a pas d'importance. Parfois, on se dit de l'extérieur, bah, Gabor, il va se tirer une balle dans le pied en se privant de Mestriot, qui, entre parenthèses, est reparti à Charleroi, de Valentin Lamort, et puis d'autres, comme Diego Zida, qui n'était pas repris ce week-end. Est-ce que, quelque part, c'est uniquement parce que vous avez une ligne de conduite, la discipline importante? Oui, je pense que ça doit être comme ça. C'est important pour tout le monde et c'est comme ça que c'est ce que j'ai connu dans ma carrière. J'ai réinventé dans le football, je l'ai dit et je le répète. Et je pense que c'est dans les yeux de tout le monde et toute personne qui gère un groupe ou qui est manager. Mais l'important, c'est le groupe, c'est pas un sport individuel. Donc mon travail en étant entraîneur, c'est défendre mon groupe. Donc, je ne peux pas accepter, peu importe, même si un joueur a peut-être plus de vécu ou plus de, entre guillemets, dans l'hiérarchie, il est quand même plus haut qu'un autre joueur. Justement, ces gars-là, ils doivent montrer l'exemple. Donc, voilà, c'est compliqué, ce n'est pas évident, mais je considère que, avant tout, je dois défendre et je dois protéger le groupe. Allez, on va faire très très vite parce que le temps passe aussi très très vite et qu'il m'en reste moins. On repasse à Arnaud, donc courte réponse si vous pouvez. Arnaud, pourquoi Erkan Ganigi, je ne sais pas si je prononce bien, est promis un très bel avenir à Warnant?
Bah, il est jeune encore, donc quand tu es jeune et que tu marques des buts à ce niveau-là, bah, fatalement, ça attire un petit peu les clubs d'au-dessus. Donc, surtout que voilà, il a encore une belle marge de progression, il peut encore améliorer pas mal de points dans son jeu. Donc voilà, le fait déjà d'arriver à mettre, ici il est déjà presque à 10 buts, même pas demi-championnat. Donc, s'il continue comme ça et qu'il garde un petit peu les pieds sur terre et qu'il travaille ses points faibles, il peut progresser et pourquoi pas jouer quelques échelons plus haut. D'abord, pourquoi Couvin-Marienbourg n'a-t-il pas un vrai numéro 9 dans ses rangs? Parce que nous n'avons pas réussi à transférer. Très bien. Arnaud, pourquoi Warnant ne perdra pas 5 matchs cette saison? Ah, parce que je pense que défensivement, on est très solide. Là, on reste sur 4 matchs d'affilée sans encaisser. Donc, je pense qu'on a réussi vraiment à trouver un bon équilibre défensif et offensif aussi. Donc, quand on n'encaisse pas, ben voilà, on sait déjà que la moitié du travail est fait. Donc, pour le moment, tout va bien. Gabor, pourquoi Couvin-Marienbourg se sauvera cette saison? Parce qu'on a la qualité, on a le caractère pour le faire. On termine avec un pourquoi de chaque côté. Arnaud, pourquoi Warnant a-t-il avancé son match du prochain week-end à ce jeudi après-midi? Pour faire plaisir à ses joueurs et pour qu'on ait un week-end de libre. Plus sérieusement. Oh, je sais pas. Ah ben, aussi peut-être pour le public, hein, il y aura peut-être la possibilité, puisqu'il n'y a que ce match-là dans cette D2, d'avoir un peu plus de monde autour du terrain. Gabor, pourquoi vous ne jouerez plus sur le synthétique de Couvin en championnat cette saison? Parce que nous sommes plus efficaces sur le terrain en herbe. Allez, très bien, avec ces réponses aux questions, pourquoi tout petit détour par les internautes. Je regarde s'il y a une question pour Arnaud. Votre fan club ne vous suit pas, on dirait. Oui, bon, Gabor, il y a encore une question pour vous, hein. Entraîner à l'étranger serait-il un objectif? Question de Vincent Guerrera. Oui, pourquoi pas? Tout simplement, on va pas s'étendre parce qu'on avance, Oui. on n'a plus beaucoup de temps, donc on va tester les connaissances de nos deux invités. On va voir s'ils connaissent vraiment bien leur série. On va aller très très vite. Vous n'avez pas la réponse, vous dites non ou bien vous essayez quand même. Pour la petite histoire, Pascal Bérangeant, l'entraîneur de Solières, a fait 5 sur 5 à ces questions-là. Donc cela prouve qu'il connaît très très bien sa série. On va voir si on a un maître ici parmi vous deux et ceux qui arrivent à faire 4 ou 5 sur 5 sont retenus pour une grande finale à partir du printemps prochain. Allez, on commence par... Ouais, j'avais oublié ce petit jingle, il est tellement important. Voilà, voulez-vous jouer? On est parti. On va commencer une fois avec Gabor, puisqu'on commence souvent avec Arnaud et ça suivra comme ça. Gabor, quel était le résultat? Écoutez bien la question de Tubize Brann Rhin Oui. Lalouvière à la mi-temps samedi soir. À la mi-temps. Je parle de bis contre qui? Quel était le résultat de Tubize Brann contre la RAL, la Louvière, à la mi-temps samedi soir? À la mi-temps, aïe. 1-3. Non, c'était 1-1. Aïe. Arnaud, quel était le score de Acre-Lessines-Rebec dans cette série, dans votre série, ce dimanche? Acre Rebec. Deux. Juste, un point. Alors, Gabor, comment s'appelle l'entraîneur de Gansoren, votre prochain adversaire? Joker. Ça Je fait ne sais zéro, c'est pas. Michel Delphes. Il n'y a pas de joke. Ben voilà, il n'y a pas de honte. 0 sur 2, Gabor, pour le moment. Hein, c'est pas terminé. Arnaud, où joue Dorian Gilsoul? Non, il joue à Verlaine. Voilà, 1 sur 2. Où évolue Gabor? Gabor, où évolue le gardien Florian Lemire? Florian Lemire. Alors, Un club de votre série, hein, nécessairement.
Oui, je ne m'occupe pas trop des gardiens. Je vous avoue que je ne fais pas trop attention à eux, mais je dirais, ça doit être Jette. Non, c'est Warem, 0 sur 3. Bon, on espère que vous allez sauver l'honneur, hein, il reste deux questions. Allez, Arnaud, qui est toujours avec son petit point, qui est devant pour le moment. Où a-t-on marqué le plus de buts, réfléchissez, sur un terrain de D2, votre série, ce dernier week-end? Oui. Pardon? Oui. Presque, mais malheureusement, pour vous, il y a eu un but de plus du côté de Tubis-Brenneral. C'est 1-5 là-bas, donc ça fait 6. Chez vous, il y en avait 5. Vous restez à 1 point sur 3. Gabor, où fallait-il aller ce week-end pour voir une équipe visitée gagner? Dans cette D2, hein, j'insiste. Une équipe visitée et gagnée. Donc une Oui, il n'y en équipe a qu'une qui a... qui a gagné à domicile. À domicile, oui, il n'y en a qu'une qui a gagné à domicile dans votre série ce week-end. Ben c'est Akron contre Rebec. Mais voilà, un point sur quatre. Il y a une petite, allez, une petite entorse au règlement, si j'ose dire. On passe de la D2 à la D3, mais comme vous connaissez bien cette D3 aussi, Arnaud, on va pouvoir le faire. Contre qui jouait Sprimont, votre ancien club, ce week-end? Ravon. Très bien, 2 sur 4. Gabor, où se situe Jette au classement général de la D2? Je vous demande la place. La place. Alors, il y a donc nous, on est 13e. Eux, ils doivent être 12e, je pense. Eh bien, c'est parfait, voilà le deuxième point. Et on va voir si Arnaud remporte le match ou bien si vous resterez à égalité. Combien? C'est quand même un peu plus difficile, mais allez, on va voir si vous observez bien votre équipe. Combien de cartes jaunes Warnant a-t-il pris à Durbuy? C'est votre équipe. Ouais. Je dirais 1. Et qui l'aurait prise? Lomba? Juste, mais Ouais, voilà, vous avez dit 1 et c'est 2. Parce qu'il y a eu une non. deuxième carte, ouais, il y a eu une deuxième Ouais? carte jaune à la 90e minute par Hadji Martin Gnama, c'est comme ça qu'on dit? Ok. Ouais, c'est plus ou moins ça, Eh bien voilà, bien, il a pris une carte jaune à la 90e ouais. minute, Ouais. donc c'était 2. Vous restez à 2 points sur 5 tous les deux. Ça veut dire que bon, ben, ça va être un peu compliqué pour nous retrouver en finale à l'été prochain, au printemps prochain, mais on vous garde dans le classement quand même. Bravo quand même pour ce petit match. Et là, vous restez sur un partage de frères. C'est ce qui aurait bien convenu à Couvin lors de ce match aller contre Warnant. On verra si ça peut se faire au match retour, mais j'imagine que du côté de Couvin, on voudra plus, hein? Et Warnant aussi, bien sûr, il n'y a pas de raison. On termine cette émission avec juste un petit cadeau pour nos internautes. On va voir si ça réagit très vite parce qu'ils ont une minute pour réagir. Et la réponse a été donnée déjà dans cette émission, donc c'est assez facile. Je ne sais pas si on a un petit jingle cadeau. Oui, on en a un. Eh bien, allez, le petit jingle. Et puis. Voilà, à gagner un survêtement Hull Sport que vous voyez sur cet écran et sera floqué à votre nom. Vous le recevrez pour les cadeaux de fin d'année. Vous avez une minute, pas plus, pour répondre à la question. Vous pouvez répondre autant de fois que vous voulez. Là, je ne parle pas nécessairement de mes invités qui vont observer le déroulement des opérations, hein. C'est plutôt une question pour les internautes. Vous avez une minute pour répondre. Contre qui Arnaud Biatour a-t-il inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu en championnat de la B2 ACFF? C'était en début de saison. Voilà, une minute pour répondre en commentaire. Vous pouvez répondre autant de fois que vous voulez. Et une fois que la minute est écoulée, eh bien, on vous donnera le gagnant de ce magnifique survêtement qu'on floquera à votre nom grâce au concours de Hull Sport. Attention, c'est parti, une minute. Voilà, bah, je pense qu'on peut en parler 2 secondes avec les deux invités. J'imagine que vous avez la réponse tous les deux, hein?
Oui. Quand même, hein. Voilà, ben on va voir si les internautes nous suivent. C'est quand même un chouette petit survêtement. Donc, d'ici quelques instants, ben, j'espère qu'on aura une première réponse. Je la repose cette question. Contre qui Arnaud Biatour, qui est un de nos invités ce soir, a-t-il inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu en championnat de D2 en CFF cette saison? Voilà, les premières bonnes réponses arrivent et il y a déjà 30 secondes de passé. Et voilà, ben, on meuble comme on peut et les deux premières bonnes réponses sont déjà tombées, donc c'est pas très compliqué. Entre-temps, je vois aussi que les internautes continuent aussi à poser des questions, mais pas nécessairement à nos invités. Donc, bon, ben, on les mettra pas sur écran, hein, ces questions-là. Il s'agit de poser une question soit à Arnaud Biatour ou à Gabor Bukram. Il nous reste une dizaine de secondes et on va pouvoir... On va pouvoir désigner le gagnant et puis on répondra à la question qui s'affiche au bas de l'écran pour un de nos invités. Voilà, eh bien, on va simplement demander à Corentin qui m'aide ce soir de me donner le chiffre 1 ou 2. 1 ou 2. Il me dit 2. Eh bien, le deuxième nom que je vais voir à l'écran, si tu veux bien me remettre les noms qui ont répondu la bonne par la bonne réponse, donc qui est Couvin-Mariembourg. Et le deuxième bonne réponse est Monsieur Fabrice Peters. Alors, Fabrice Peters gagne ce survêtement. Ça vous fait rire, Arnaud, pourquoi? Bah, c'est mon beau-papa. Ah, ben voilà, ça reste dans la famille. Ouais, Si Fabrice, si Fabrice peut nous envoyer un petit mail à l'adresse de Footnet, ou bien plus simplement, on reprendra contact avec Arnaud dès demain, si on prendra les coordonnées, et on s'arrangera avec lui pour ce chouette cadeau. Voilà, eh bien, on vous remercie tous les deux. Pour ce petit exercice qui a quand même duré plus de 45 minutes, hein, alors qu'on était censé partir pour 30. Donc, j'ai encore été un petit peu trop bavard. Merci à tous les deux. Ben, on vous souhaite une super saison avec Warnant pour Arnaud Biatour et bien sûr avec Couvin Mariembourg pour Gabor. À bientôt, à la semaine prochaine. Bonne soirée.